shadow grows on the wall behind. Hey, salut à tous, c'est Grimjo. J'espère que vous vous portez bien et que votre collection se porte bien également. On se retrouve aujourd'hui sur Made in Japan TV pour la présentation de la BWFC de Goku version Roi des Singes. On n'a pas l'habitude de le voir dans cette tenue, donc ça fait vraiment plaisir. Une sculpture vraiment classe, un paint job plutôt soigné et des couleurs bien pétantes font de cette figurine une pièce incroyable. Allez, c'est parti pour l'unboxing habituel. Voilà, merci bon presto, c'est ça qu'on veut voir dans la gamme BWFC. Donc comme vous l'avez vu, le Goku en tenue Roi des Singes. Donc cette tenue, on n'a pas l'habitude de la voir en figurine, hein. Je crois qu'il y a eu une ou deux figurines de bonne taille. Après c'était que des gachapons, donc c'est assez original, hein. C'est pas le Goku en Super Saiyan qu'on a l'habitude de voir à toutes les sauces tout le temps. On commence à en avoir marre. Là, c'est original, donc merci bon presto. Après la petite déception du Trunks, enfin grande déception pour certains et petite pour d'autres,
On revient enfin sur des bons produits pour la gamme BWFC. Donc pour moi, c'est l'une des meilleures. Elle est au même niveau pour moi que le freezer, qui est vraiment la meilleure pour moi. Donc vraiment cool. Niveau sculpture, c'est vraiment top. Niveau peinture, c'est bien. Il y a des bons petits dégradés. Et ça, je suis vraiment content pour cette gamme. Comme vous le savez, c'est top. Il y a des dégradés, des ombrages. Donc non, franchement, une petite tuerie. Donc ceux qui ne l'ont pas, vous foncez. Achetez-la, elle vaut vraiment le détour. Oui, alors là, comme vous pouvez le constater, la vidéo est terminée. Mais l'aventure Made in Japan TV continue sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner, s'il vous plaît. Allez, salut!